Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se propose une petite vidéo, que ça fait un petit moment que j'en parle. En fait j'ai fait un D-look à trois personnes. En fait je suis allée sur mon compte et j'ai tout simplement dit voilà les trois premières personnes qui me demandent et ben je leur fais un look en vidéo. Donc la première personne à qui j'ai fait un look c'est My Julie Kendall. J'espère que je le dis bien. En tout cas, comme vous constatez dans la vidéo, hein, je suis partie sur un look assez simple. De base, un look casual, comme on peut dire. En tout cas, n'hésitez pas à la fin de la vidéo, après avoir vu les trois looks de cette vidéo, me dire en commentaire lequel des trois vous avez préféré. Si on a un que vous avez trouvé horrible. Bon, vu que c'est moi qui les ai créés, je vais pas dire que j'aime pas mon propre look, hein, sinon j'aurais pas fait ça. J'ai essayé de faire des looks assez différents, de plusieurs manières différentes. Donc pour le premier, voilà, un petit top, crop blanc, jeans et des cheveux couleur châtain. J'ai rajouté une petite veste en jeans histoire d'habiller un peu le tout. Sinon je trouvais que ça faisait un petit peu fade. Et des lunettes, voilà, avec des petites baskets. Rien de plus simple. Du coup déjà, enfin moi je trouve que le premier look que j'ai fait, il est assez sympathique. Voilà, j'ai bien aimé. Donc partout dans tous les. Vous verrez que dans tous les looks que je fais, je mets toujours la quincelle et passer par là. Comme ça je sais que j'ai déjà fait un look à cette personne si il m'arrive de faire la suite. Alors pour la deuxième personne qui a été tirée, enfin tirée, pas du tout tirée parce que c'était les trois premières personnes qui m'ont demandé, c'était Megan. Et du coup pour Megan, ben, à la base je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire peut-être, à la base je crois que j'étais partie sur un truc plus soirée. Et au final ça s'est mal fini. Explication, ça tourne mal. Non je déconne, ça a pas mal tourné mais enfin, mon idée de base n'était pas la même que ce qui est sorti à la fin. De toute manière vous allez voir. Et je tiens à préciser aussi que pour les prochaines vidéos look que je ferai, cette fois-ci je ne prendrai pas dans les messages MSP. Ça c'était vraiment un peu spécial pour la première vidéo que je lançais sur cette série parce qu'il y en aura d'autres. Et bien pour les autres vidéos, j'aurais besoin que vous me laissiez un commentaire sous cette vidéo avec bien sûr marqué oui, moi aussi j'aimerais bien un look et votre pseudo MSP. Comme ça la prochaine fois peut-être ce sera vous qui serez tiré. Et là honnêtement je ferai ça au hasard, je prendrai des 2-3 personnes voire plus, ça dépend, en commentaire, j'en prendrai un peu au hasard, voilà. Alors le look, voilà ce que ça devient, ça fait un sort de look urbain, je sais pas comment je pourrais appeler ça autrement mais je pense que le mot urbain ça passe bien, avec un jeans troué, une veste en cuir et des petites bottines. Au début je crois que je voulais prendre des baskets et au final je me suis dit que les bottines seront tellement bien. Donc on va laisser les bottines et c'est ce que j'ai fait. Voilà voilà. Pour la troisième et dernière personne, c'est la fofolle qui a été choisie. Et du coup bah, pour la fofolle je me suis dit que pour les deux premiers où j'avais pas fait de robe et que j'allais peut-être faire une robe. Donc j'espérais trouver une belle robe et là je suis tombée sur la petite robe, genre le The Robe où tu vois je la verrais IRL dans un magasin, je me l'achèterais tellement je la trouve jolie. Et également pour changer, alors là complètement différent, j'ai choisi les cheveux mi-longs. Parce que vous savez, j'aime bien les cheveux courts mi-longs. Je trouve que tout le monde porte des cheveux longs dans MSP. Et pour changer, j'ai décidé de faire des petits cheveux courts. Enfin, courts, mi-longs, hein, parce que c'est pas court non plus. C'est mi-long. J'aime beaucoup en plus la coupe, j'aime bien la couleur. Et je trouvais que ça allait bien avec la robe. Ça faisait un truc très naturel. J'étais partie pour des bottines. Et au final, je suis tombée sur les Tenders. Non, c'est pas... C'est-à-dire c'est même que je porte moi, mais non. J'ai trouvé que ça allait bien avec la robe. Et après, au niveau des accessoires, j'ai pas forcément trouvé ce qui m'intéressait le plus. Je crois que j'avais cherché des bracelets, j'avais pas trouvé. Enfin, des bracelets juste en noir, mais je voulais des bracelets couleur beige, j'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai juste habillé avec une petite veste. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao!